Bonjour les amis, et ben beaucoup de retard aujourd'hui parce que des petits soucis, mais que des petits soucis matériels, à savoir la carte qui ne voulait plus se recharger. Je vous avais fait une belle vidéo pour rien à l'hôpital, mais je vais quand même vous raconter. Alors, bon, on est arrivé très tôt, 7 heures, on attend juste parce qu'autrement il y a de l'embouteillage, on a attendu jusqu'à 8 heures. À 8 heures, on m'a fait ma prise de sang et vers 8h30, 9h moins le quart, la piqûre. La personne était très efficace, j'ai presque rien senti et elle m'a dit c'est normal parce que c'était une piqûre sans fil. Bon, wireless. Bon, j'ai ri, hein, j'ai ri, hein, je suis poli, j'ai ri. Voilà, et après on est sorti, et imaginez-vous que mon fils a tenu à ce qu'on aille dans un supermarché où il m'a acheté quelques bonnes choses de manière à accepter tout ça, j'irais dire, et de profiter un petit peu. Donc voilà, mais bien évidemment en restant 100% régime cétogène. Alors là-bas, on a eu une conversation très intéressante avec un professeur qui était là-bas, à qui on a commencé à bavarder sympathiquement et à qui j'ai parlé du bleu de méthylène. Et de là, donc, il nous a expliqué plein de choses qui, d'après lui, font le blé de méthylène. Mais comme je ne veux pas mélanger, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Alors, dans l'ordre, eh ben, on finit nos bagages cet après-midi. Demain matin, on prend l'avion. J'aurai certainement le temps de vous faire une petite vidéo avant de prendre l'avion. Et eh ben, après, par contre, je n'arrive que le surlendemain. Je suis pas sûr d'avoir, bien sûr, du Wi-Fi pour uploader à l'aéroport. Je n'arrive pas avant le soir à Strasbourg. Écoutez, je ne sais pas, ce sera certainement le lendemain matin que vous aurez une autre vidéo. Alors maintenant, place au bleu de méthylène. À tout de suite.